Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de notre Let's Play Space Engineer en coop avec XK. Bonsoir XK. Salut. Alors, on est extrêmement en retard parce qu'on a eu des petits soucis de serveur. On s'est retrouvé, on n'était pas dans nos vaisseaux. Ça a été un peu le bordel pour tout remettre. Ça a été un peu le bordel pour tout remettre d'aplomb. Mais bon, on a tout remis d'aplomb, donc c'est bon. Alors, on en était arrivé qu'on n'était plus qu'à... Hey, salut Lodos. On n'était plus qu'à 35 bornes du SOS. Ouais, 35. Donc... Tu as le point du SOS, moi je l'ai. Ouais, je l'ai aussi. Je l'ai. Ah, okay. En rose. Yes. Je sais pas ce que ça veut dire. Astéroïde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait sur cet astéroïde, je me souviens plus. Il y avait un truc pas loin. Du platine. Ouais, c'est ça. On avait fait plein de platines sur la Lune. Ouais, il n'y avait pas forcément besoin d'en reprendre. Par contre, il fallait qu'on aménage, tu disais, des parachutes sur ton vaisseau. Ouais, il faut qu'on se mette des parachutes au cas où. Qu'on fasse le plein. Qu'on se prépare. Zou, parachute. Ma foi. Où est-ce que je vais mettre ça à la place d'un piston? Parachute. Combien j'en prends? 5? 6? Ouais, 6. 6, ça peut être pas mal. Hein. Eh ben j'en ai 6. Alors il est où ton vaisseau déjà? Alors il est sur la gauche. Sur le mur. Je te les mets. Alors... Bah peut-être avant-arrière. J'ai pris 6. Ouais. Donc... J'ai un petit peu du mal encore avec les touches. Hein. Comment on sait s'ils sont dans le bon sens? Bah, il y a une croix au-dessus. D'accord. On a mis un quelque part? Non, j'allais le faire. Je vais peut-être les mettre sur les... Oui? Sur les thrusters. Ouais, c'est ce que j'allais faire, en fait. Donc, il y a directement un port et on peut mettre... Donc je t'en ai mis 3 d'un côté, j'en mets 3 de l'autre. Ah bah, cool. Par contre, il va falloir les remplir. Ouais, bah avec la commission sur des convoyeurs, ça devrait aller. Mais est-ce qu'on avait des... Ah mais c'est bon, j'avais tout pris. Hein. J'ai tout. Oui, j'avais tout pris. Mais je suis prévoyant. Hein. Je peux être prévoyant parfois. Hein? Comment on fait les parachutes? Je sais plus. Tiens, attends, juste par contre un petit truc, je sais pas si je vais penser à me... Ouais, non. J'ai pas d'outil admin. Comment on fait les parachutes? C'était ça ma question en fait. Alors. Tu sais comment marche la gravité? La gravité et tu. Alors, tous les corps s'attirent. Il y a une histoire de ce que c'est par rapport à la masse au carré. La masse divisée par la distance au carré. Et. Comme ça. On s'arrête aux bases. Donc si je jette un caillou, si je lâche un caillou, à principe, il tombe. Bah ça dépend où tu es. Là typiquement à l'heure actuelle si tu lâches un caillou il va pas faire grand chose. Une planète avec de la gravité. Oui, ah oui d'accord, oui. Oui dans ce cas là oui. Je lâche un caillou, il tombe. Ok. Si je fais des petits cailloux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il tombe exactement à la même vitesse. Ouais. Et si je fais des cailloux encore plus petits? Eh ben il tombe exactement à la même vitesse. Voilà, alors. Et si un truc qu'il va falloir qu'on m'explique, c'est, si je me souviens bien, les parachutes, on les fait avec du gravier. C'est très pratique. Non mais parce qu'en fait, le principe d'un parachute, c'est qu'on rajoute un élément qui ne rentre pas en ligne de compte dans la gravité, qui s'appelle l'atmosphère. Alors qu'il y a un Skippy qui est à 2,3 km. Si t'es venu pour nous dire bonjour Skippy, t'es mal barré, hein. Je crois que le dernier pote à toi qui est passé... Ah non, c'est bon, il trace. Pourquoi les canvas? En fait, il y en a déjà dans les parachutes, ils se sont remplis.
Mais est-ce que ça fait assez, du coup, 6 parachutes? Oui, bah, enfin, j'espère. On verra bien. Ouais, ça va être la surprise. Bah, en principe, c'est un parachute, c'est juste en cas de chute qu'on devrait s'en servir. Oui, oui. Oui, oui, c'est juste en cas de chute, oui. J'ai vu un truc clignoter à 2,7 km. Ouais, c'était pas un Skippy? Comme il clignote, je pense pas. Je vais prendre fourreuse et autres trucs en rab si jamais. Ouais, attends. C'est un vaisseau, ça. Il y a un vaisseau qui arrive en dessous du. En dessous de l'astéroïde. Mais il est visible là. Donc je pense qu'il est pas trop loin, mais il a l'air de continuer en dessous de l'astéroïde. D'accord. Ouais, il passe en dessous. Voyons prudent. Ouais, MR50A en plus. Je vais reprendre des balles pour le. Hey, salut, Clearock. Je vais reprendre des balles pour le 50. Non, ça c'est 30E. 50A. Ouais, je vais reprendre 100. En plus, et je vais les mettre dans ton vaisseau une fois. Je vais mettre tout ça dans ton vaisseau une fois qu'on aura dédocké. Ouais, bah tu veux que je dédocke? Attends, je vais. Bah, je vais contrôler. La vérifie ton plein. Et si ton plein est bon, tu peux dédocker. Hydrogène, on est complet. Oxygène aussi. Les batteries sont à 30%. Oh, ça devrait aller, les batteries, c'est pas trop ce qui nous. Est-ce que. Attends, je réfléchis une seconde. Bouteilles. Il faudra peut-être qu'on prenne des bouteilles. On en avait des tonnes. J'ai un stock d'oxygène dans le. J'ai un stock d'oxygène qui est à 100% ici. Ouais, mais je prends quelques bouteilles d'oxygène hydrogène. Ouais, balance. Si j'arrive à écrire oxygène correctement. 2, 3. De toute façon, j'avais pas de bouteille moi-même. 4, 5. Je prends 6 bouteilles d'hydrogène. Je vais faire la même chose avec l'oxygène si je trouve. Je vois que de l'hydrogène là. Il y a très peu de bouteilles d'oxygène, mais il y en avait. Elles étaient dans les tools. Parce qu'il y en a encore deux. Ah, je les prends. Ah bah tu les as pris. Bon, je les ai pris, je les ai sur moi. Yep. On a des millions de bouteilles de. D'hydrogène, on n'a pas. C'est là qui fait partie tout notre hydrogène en fait. C'est ça. Non, toi tu fais pas là ça. Ah si, tu t'en faisais parce qu'il t'en fallait en. Je me déconnecte du coup ? Ouais, tu devrais pouvoir. Ouais, je pense qu'on est large. Bon, attends. Je récupère juste quelques bouteilles d'oxygène en plus. L'autre 2H2 générateur ne le remplit pas. Là, je suis déconnecté. Les batteries en auto. PDC, j'enlève le stockpile. Et. On a des millions de bouteilles d'oxygène, d'hydrogène, sérieusement, ça sert à quoi? Ça sert, fini. Oups. Et pourquoi? Tirer sur un interrupteur au lieu d'appuyer dessus. Pourquoi je peux pas me le prendre? Ah, parce que je suis déjà trop rempli. On est étanche, c'est bon. T'es déconnecté, ouais. Ouais, je suis. Attends. Ouais, je devrais être déconnecté. Bouge là. Pas. Là, je charge des trucs aussi que j'ai pris. Je te mets 2-3 trucs dans le conteneur, dans le connecteur. Comme ça. Vas-y, tu peux charger, hein, y a de la place. Hein. Ouais, mais je voudrais récupérer du coup cette bouteille d'oxygène qui ne veut pas se remplir. Oxygen tank, toi. Voilà. C'est bon.
Et salut Ascoven. Ouais, on va sur Pertam pour répondre à un signal SOS qu'on ne sait pas d'où qu'il vient. Hop. Bon, je suis dans ton vaisseau. Ouais, je est-ce qu'on prend plus de choses? Est-ce qu'il y a besoin de prendre d'autres choses? Bah, on a peut-être des outils en rab. Tu veux prendre des lingots de... Ah ouais, peut-être les trucs qu'on a du mal à trouver, un petit peu d'or, un petit peu d'argent, comme ça, au cas où. Ouais... Mais... On n'a pas grand-chose d'or... Ah, qu'est-ce qu'on a... De l'or et de l'argent. T'es-tu? Parce que sinon j'étais... Je pouvais aussi. Bah je prends un petit peu de chaque, là, mais je sais pas quelle quantité prendre. Bah... 60 chaque. Ouais, ça devrait suffire. Je vais prendre un peu de cobalt. 500 aussi. J'en ai pris aussi, ouais. Et du magnésium. Est-ce qu'on en a pas d'autres du magnésium? On a que ça. On a 500 et quelques. Ouais, c'est pas lourd. Alors, dans mon passé, j'ai déjà été sur Pertam. Et salut Ascoven. Je sais plus si j'ai dit salut Ascoven. Je crois que oui. Pourquoi j'ai du MR30E sur moi alors que j'ai un MR50A? Ah. Tu t'es trompé de munition? On dirait. Ce sera mieux comme ça, je pense. Oui. Bon, j'ai repris des balles au cas où. Donc on a un paquet de balles. Je pense qu'on s'y... J'ai pris du cobalt en plus. Magnésium, de toute façon, on a quasiment rien. Donc je propose qu'on y aille. Hein. C'est pratique. T'as pris quoi? Plein de fer. Ah, ça oui. Sert toujours. Je pense que je suis bon. Ok. À l'intérieur, attends, n'ouvre pas le cockpit parce qu'il est pressurisé. Non, je suis à l'intérieur, je n'ouvre pas le cockpit. Je suis à côté de toi. Ouais, je te vois. Bon, alors ce vaisseau-là, il a un capteur. Attends, j'ai mis la lumière. Voilà. Il a un petit capteur quelque part, je sais plus où. Et en fait, on a il y a une vent ici qui retire la pression. Elle dépressurise. Donc automatiquement, avant que tu... Oui, oui. Avant que tu ne partes dehors, en fait, il devrait dépressuriser suffisamment pour récupérer l'oxygène. Ok. De toute façon... Il va falloir que tu fasses gaffe hein, au démarrage. Ah oui, on met juste au-dessus de ton vaisseau. Faut pas que tu le cuises trop. Ouais. Je vais essayer. Attends. Je vais... Je suis passager. Le connecteur off, voilà. Je vais monter tout doucement, voilà. C'est bon, là je m'éloigne déjà du vaisseau. Ouais, c'est bon. Il faudra penser à mettre les déploy parachutes sur... Tu veux que je mette les parachutes dans un groupe déjà? Ouais, bah tu peux les mettre. Je les mets dans un groupe. Parachute. Tu les laisses en manuel, du coup? Comme ça, on peut descendre tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je pensais que tu pourrais te mettre éventuellement le déploiement automatique, le déploiement des parachutes dans forcé dans le. Oui, oui, je veux faire ça, bien sûr, ouais. En tas de barre. Tu les. J'ai mis un groupe parachute. Groupe, ouais. J'ai trouvé. Ouais. Cool. C'est quoi? C'est open? Je pense que c'est open. Hein. De toute façon, close, une fois que tu es à open, on n'a pas pris des toiles de secours. Hein. C'est... J'en ai que 3. J'en ai pris 3 dans le truc. Ah d'accord. Parce que là, il y en a une qui s'est chargée dans chacun, mais c'est tout. Ok, bah cool. Donc on est bien. Donc, On est près de la gravité, on est loin de la gravité encore. Je vais peut-être me mettre... Je ne sais pas. Bon, après. Vers le beacon. Il y a un beacon là-bas, c'est notre station. Je vais accélérer dans cette direction. Et puis après, on va aller vers le. On va aller vers le point de la SWAT. Oui. Bah, après, on n'en est pas très loin, mais.
Bah, tu veux que je descende Ouais, je suis un petit peu en descente. Alors, sachant que t'as pas les dampeneurs, tu vas toujours tout droit, c'est juste que tu t'es penché un peu. Ouais, je vais... J'ai une petite... Une petite poussée vers le bas. Voilà. Là, on devrait être un peu plus en pente. Je surveille la gravité au passage, si je la vois... Ouais, bah tu me fais signe dès qu'il y a de la, dès qu'il y a de la gravité, comme ça je redresse. On parle de la gravité de Pertam, hein, pas celle de la situation. Ouais, la situation est grave quand même. Hein. Oui, toujours. Mais j'ai quand même peur qu'on se fasse carjacker. Hein. Oh, les Space Pirates ne sont pas... ne sont pas des carjackers. Si c'est un Space Pirate, je me barre. Je te laisse avec le vaisseau. D'accord. Bah, je me débrouillerai. Le temps qu'on se rapproche un tout petit peu, je reviens dans 30 secondes même pas. Ouais, pas de soucis. Pendant ce temps, je vais faire la petite lecture du message. Ah bah non, je ne l'ai plus le message. J'ai dû le laisser dans le vaisseau. Pour ceux qui nous suivent, on avait trouvé un SOS sur la Lune au dernier épisode. Et ce SOS nous disait que son vaisseau était en perdition sur une planète inconnue. Inconnu, il devait pas être du coin, hein, parce que nous on l'a reconnu assez rapidement en s'approchant. On hésitait quand même un petit moment entre Triton, Pertam... Ouais, de loin, avec l'atmosphère, c'était pas hyper clair. Au contraire, c'était un peu trop clair. Je peux peut-être voir si on arrive à la voir à la radio. À cette distance-là, il y a peu de chance. Hein, là, mais... ça fait un peu loin. Eh oh, du bateau, vous nous recevez ? Du bateau. Eh oh, y a quelqu'un ? Y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait de la friture apparemment. Ouais, ouais. Ici, ERB, XK, identifiez-vous. Non, laisse tomber. On a un début de gravité là, 006. Ah ouais. Je laisse les dents. Je sais pas ce que. Est-ce que je remets. Je vais peut-être mettre les dents un petit peu là pour freiner de temps en temps. Mmh. Et ça accélère au-dessus des 100 mètres secondes. Bah, à la limite, mets juste des petits coups de barre d'espace pour remonter un peu. Ouais. Ouais, remarque. Mais pour ça, il faudrait que je sois droit. Non, pas forcément. Comme ça te repousse dans la direction de. De notre cible aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je mets de l'espace et ça accélère en fait, ça ne ralentit pas. On met des petits coups de dampeners plutôt. D'accord, dampen. On est à 0,13. Je mets espace et. Non, je pense qu'on est trop incliné en fait, c'est peut-être pour ça. Si je remets droit, là ça devrait aller. Ouais, là ça traîne si je mets l'espace. Même pas trop. Ouais, les dampeneurs, t'as... je mets un peu mieux. T'as coupé devant. Comment ça? Ah non, t'as pas coupé devant. Non, en fait, ouais. Tu ralentis, tu freines ta marche avant là. Ouais. Surtout. Je vais faire ça, je vais stabiliser et on va se laisser tomber. Je peux forcer ça un petit peu pour qu'on descende plus vite. À 50 mètres secondes. On n'est plus qu'à 10 km. Ouais, j'avance encore un peu, remarque. Parce que je regarde le point GPS là qui est en dessous de moi, mais. Et il est quand même encore un peu devant, ouais. Je me promets droit. Oh, 159 secondes, oula.
Allô, allô, il y a quelqu'un? Est-ce que vous nous recevez? Non, toujours pas. Hein. Ici ERBXK, est-ce que vous nous recevez? Non. Bien, pour l'instant, ouais. On va peut-être bien manger, hein, du coup. Ah, ça faisait longtemps, des bonnes frites. Ou des sardines. Ah, des sardines. Ah oui, il y a de l'eau sur Pertam. Un tout petit peu. Il y a plus d'huile que d'eau. Ah mince. On est à 4 km. J'essaie de stabiliser notre vitesse. C'est chaud. Je vais peut-être pouvoir mettre les thrusters atmosphériques aussi. On n'avait pas beaucoup de charge. Hein. Bon, là, t'as 3 jours, mais si tu lances les atmos... Ouais. Non, je pense qu'on est quand même large en hydrogène. Hein. Ça devrait aller sans trop de problèmes. Yes. Ah bah là, je suis à l'arrêt. Donc on va bah oui. Je sais pas si les parachutes n'étaient peut-être pas indispensables, en fait. Il accélère bien, hein. Bah oui. Est-ce qu'il freine bien, aussi? Oh, bon, on verra. est-ce que tu vois quelque chose? Je vois que le SOS, il était en l'air, déjà. J'ai cru voir un truc sur ta gauche. Sur ta gauche, j'ai cru voir un truc. Dans l'axe du unknown signal, à peu près. Va vers le... Ah, pardon. Vers le platine. Dans la... Non, à gauche. Gauche. Ouais. Ah, c'est peut-être un oasis, ça. Non, tout en bas à gauche. Enfin, sur le sol. Dans l'axe du SOS, sur ta gauche. Je sais pas, c'est peut-être un oasis, en fait. Au niveau du sol. Ah, tout à pleine gauche, là. Arrête-toi! Ouais, attends. Derrière toi. Attends, j'attends que tu freines. Là, pleine gauche. Là. Tu vois pas, hein, au sol, hein. À 11h, ouais, à 11h. À 11h, ouais. Au sol. Tu vois pas un espèce de patch verdâtre? Si. Ouais, est-ce que c'est... Un patch verdâtre, mais... C'est un oasis ou c'est autre chose? On va essayer de m'approcher un petit peu. Fais gaffe, hein, t'as de la puissance, 50 mètres secondes, mais tout de suite. Ouais. Ça arrête là, ouais. Oups. Il y a un peu plus de gravité quand même ici, hein, 1.2. Ouais. Attends, on est un peu plus... Ouais, c'est un oasis, hein, c'est plus derrière. C'est un oasis, c'est rien qui nous intéresse. Oasis is good. Mais là, dans le cas, il nous faut autre chose. Je vois des arbres. Je vais peut-être reprendre un petit peu de hauteur, là, qu'on y voit quelque chose. Alors on y voit des choses, mais... Il y a quand même beaucoup de patchs d'herbe. Hein. Ouais, va un peu plus à ta droite, je pense, à 45 degrés plus à droite. Ouais. Par comme ça. Là, c'est bon. Ouais, par là. Tout droit. Je me vois un peu du SOS. On est à 2 km du SOS, c'est pas mal de tourner en rond 2 km autour du SOS. C'est bien aussi qu'on garde un petit peu de distance au cas où. Attends. À rester à moins de 800 mètres du sol, ouais.
bâtiment, un truc là-bas ou c'est un arbre? Ça peut ressembler à un arbre. Il y a Clearock qui nous dit qu'au-delà de 3 km, les structures ne chargent pas. Ouais, c'est pour ça que si on reste à peu près à 2 km du SOS, on peut voir. Regarde là-bas, droit devant. Droit devant? C'est un truc ça. Je rêve pas. C'est encore un arbre. Je vois des arbres. Oh non, c'est un arbre en fait. C'était un arbre. Un arbre en bois? Bah écoute, je sais pas trop sur cette planète. Comment tu définis du bois? Est-ce que sur une autre planète, le bois est du bois? Si c'est en bois d'arbre. Peu importe l'origine de l'arbre. Ta théorie est implacable. Si c'était un... Moi je te dis c'est un piège, j'ai rien. C'est un piège? Mais non, c'est pas un piège. Peut-être que, ceci dit, là on est juste à côté du SOS, on peut peut-être réessayer un coup de radio. Vers le SOS? Ouais. Rapproche-toi du SOS, on va voir si ça... Pour l'instant, toujours de la friture. Est-ce que vous nous entendez? Mais ça c'était pas de la friture. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Identifiez-vous. Ici ERBXK. Nous avons reçu un SOS sur la Lune. EBXK, je vous reçois. Qui êtes-vous? Que nous voulez-vous? Où avez-vous trouvé notre numéro déjà? Qu'est-ce qu'on mange? Et quelle est votre position aussi, parce que vous êtes pas dans le ciel au niveau du SOS. On est déjà à 10% d'hydrogène là, il va falloir prendre une décision. Bah, on se projette. T'as activé les atmos en plus, non? Ouais. Écoute, il nous reçoit peut-être plus là, attends. Reviens en arrière, il devait nous capter mieux là-bas. Il va falloir qu'on prenne une décision rapidement, si on quitte l'atmosphère ou si on reste par ici. Je pense qu'on peut plus quitter. Au moins il y a quelqu'un, donc c'est un peu. Ouais, on peut plus quitter l'atmosphère là. Au moins il y a quelqu'un. Donc c'est pas totalement perdu. Tu peux tourner uniquement sur les atmos? T'as 2% là. Pas sûr, mais. On va bientôt voir ça, je vais prendre un peu de hauteur parce que... Mais recevez-vous là, oui, on vous reçoit. Approche, oui. Mais recevez-vous. Oui, on vous reçoit. Donnez votre position. Mettez parachute, XK. Parachute. On open. Et merde. Pourquoi il s'ouvre pas? Ah. Ouf. Mais ils sont où les parachutes? Qui a mis les parachutes? Ah, tu m'as dit la croix vers le haut, moi j'ai mis la croix vers le haut. Hein. Pourtant, moi j'ai appuyé sur le bouton là, pour les ouvrir. Ah bah, je sais pas. Attends. Et pourquoi on n'a pas explosé là, voilà. Ah, t'as réussi à mettre les... Ouais, mais... En fait, on pousse l'énergie à 100% là, donc... Ok. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!